Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Urban Art Riviera, votre émission consacrée au street art sur BFM Nice Côte d'Azur que je représente avec l'un des ambassadeurs de cette forme artistique chez nous, c'est César Malfi. Salut. Salut Laurie. Tu vas bien? Au top, très content d'être là ce matin. Bah également, et en plus aujourd'hui on va parler d'un festival qui te tient à cœur, Couleurs d'automne. Il y a la 4e édition qui est en cours, on va en parler avec Sébastien Amar qui... et un peu l'organisateur, le responsable de cet événement. Bonjour. Bonjour. Et puis également avec Andrea Ravo-Mattoni. C'est écrit sur votre pull. Hein. Exactement. Voilà, je ne peux pas me tromper. Alors vous êtes un street artiste italien, le meilleur street artiste du monde. C'est comme ça que César ouais. voilà, vous a présenté. J'ai osé. Ah, c'est pas vrai. Oui, je suis un street artiste, j'arrive de l'Italie. Et je travaille sur des grandes fresques, je fais des grands murs avec la bombe. Et j'arrive dans les graffitis. Je vais en commencer dans les 1994. Et voilà, c'est beaucoup des années que je travaille. On va en reparler encore plus en longueur au cours de l'émission. César, donc 4e édition de Couleurs d'automne. Pour un artiste comme toi, street artiste sur la Côte d'Azur, qu'est-ce que ça représente, Couleurs d'automne? Alors, le festival Couleurs d'automne, déjà, c'est un festival que je résumerai comme très humain. Déjà par rapport aux relations qu'on entretient sur place, très conviviales, mais aussi très professionnelles. On le voit chaque année avec un développement exponentiel et surtout vraiment une démarche structurée par Sébastien, justement, qu'il a lancé depuis ces quelques années. Et puis Antibes, c'est quand même un petit joyau de la Côte d'Azur où on est toujours bien accueilli. C'est une super ville où un super boulot est mené, et ce qui permet d'autant plus aux artistes un peu émergents de se développer, d'être au contact de grands artistes comme par exemple avec Ravo. Donc c'est très sain, et en plus ça apporte énormément de bien à cette culture. Sébastien Amar, une ville organise un festival comme ça sur la Côte d'Azur, mais ça s'était jamais vu. Qu'est-ce qui vous a pris à l'époque de le lancer? Alors, Couleurs d'automne est un peu née sur les cendres du Covid. On avait fait des expérimentations en parallèle du festival Nuit Carrée, le festival de musique qui existe depuis 18 ans à Antibes. On avait commencé à réaliser des grandes fresques en parallèle du festival Nuit Carrée. Et l'année de Covid nous a motivés à créer un événement à part entière dédié à l'art urbain pendant la période de la Toussaint, qui était assez calme sur la Côte d'Azur. Comment est-ce que vous sélectionnez les murs sur lesquels les artistes peuvent réaliser de grandes œuvres? Alors c'est très simple, on chasse les murs avant qu'ils soient peints, on les regarde, on regarde notre ville différemment. L'art urbain permet de regarder une ville avec un autre œil. Donc on tourne beaucoup, on cherche, et quand on voit une surface, on va essayer de rentrer en contact avec la personne qui est en gestion ou propriétaire de cette surface. Forcément. Après ça, il y a un vrai travail quand même de direction artistique qui est mené par Seb et son équipe à chaque fois. C'est l'art urbain est un art assez spécial, et en fonction de chaque mur, il faut trouver aussi l'artiste qui va avoir le style et entre grosses guillemets la compétence pour savoir s'adapter et aussi valoriser l'espace. Donc au-delà de la sélection des murs, il y a quand même un travail de direction artistique assez profond et assez intelligent à mener. D'accord, donc on sélectionne le mur et on a toujours une pensée sur l'artiste qui pourrait l'utiliser au maximum. La pensée de l'artiste, elle vient après. On prend beaucoup en compte le contexte de l'œuvre, l'implication des habitants du quartier dans un processus créatif auprès d'un artiste. Et c'est ça qui va motiver notre choix d'artiste. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher n'importe quel artiste qui nous plaît en disant « il faut que tu t'adaptes à ce contexte ». On va réfléchir, et ça a été exactement le cas avec Andrea Ravo-Mattoni, on va réfléchir à l'artiste qui va être adapté au contexte de la surface murale. Alors justement pour vous, Andrea Ravo-Mattoni, il a fallu un très grand mur. Qu'est-ce que vous avez réalisé sur ce festival? Alors j'avais fait un travail nouveau. Aujourd'hui j'ai travaillé avec l'intelligence artificielle et avec le classicisme. Les murs, c'était, quand il m'a fait la proposition, je suis resté un petit peu choqué parce que c'est un grand mur avec des arches. J'avais réfléchi beaucoup et j'avais trouvé que c'était génial. Vous avez choisi un mur génial. Et... parce que les arches, pour moi, pour les classicismes, ils s'adaptent très très bien. Alors j'avais fait trois personnages. Un personnage, c'est le plus grand, qu'il y a les couleurs plus claires. Et l'autre personnage, ils sont à l'intérieur, comme un théâtre, qui entrent et sont obscurs. Et c'était un challenge pour moi.
Et j'espère avoir fait un bon travail, non? Challenge. C'est validé dans la relevé. Absolument. Absolument. Très relevé. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des années, il y a des artistes de plus en plus importants du street art qui viennent. Et c'est votre cas, du coup, André Arabo-Matoni. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours? Ça date de 1994, vous êtes un pionnier du street art. Oui, je suis la deuxième génération de graffeur en Italie. J'arrive dans la famille des artistes. Mon père, c'était un artiste d'art conceptuel. Mon grand-père est aussi un peintre. Et à 14 ans, j'avais choisi de commencer à faire des graffitis en manière illégale. Oui. Après, c'est la roue, non? Tu apprends la bombe sur la roue. Il n'y a pas encore d'école pour cette matériel. Et après, je vais étudier à l'école des Beaux-Arts de Milano. Et je vais choisir de changer un petit peu la direction. Je vais étudier l'huile, l'art classique. Je suis tombé amoureuse avec toute l'histoire de l'art. Mm-hmm. Et après, je vais choisir de faire sur des murs les reproductions, la traduction. Je parle des traductions parce que ce ne sont pas de vraies copies. Je n'utilise pas l'huile, mais j'utilise la bombe. Des grands maîtres. Grands maîtres en corrélation avec les territoires. Je vais sortir dans les musées, je mets sur des grands murs. Et voilà. Et aujourd'hui, je travaille sur la même question, mais avec l'intelligence artificielle. Je donne moi la nourriture à l'intelligence artificielle, les références de l'art ancien. Et quel qu'il sorte, c'est choquant, parce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment choquant. Mm-hmm. Et après, je fais la même chose. Je fais la copie, je fais la traduction, comme je l'ai fait pour les festivals des Antibes. Mais c'est ça qui est super intéressant aussi dans le nouveau travail que développe Andrea, c'est que, en tout cas pour ma part, il y a une sorte d'anachronisme entre utiliser de l'intelligence artificielle pour générer des nouvelles œuvres sur des inspirations classiques, comme il l'a fait justement là à Antibes, et à côté de son travail de traduction des œuvres classiques. Donc on va avoir un Caravage ou un Léonard de Vinci réalisé en grand sur un mur, et à côté on va avoir, si on demande à l'intelligence artificielle de faire du Caravage et du Léonard de Vinci, on va avoir ce résultat-là. Et le contraste historique est assez intéressant, parce qu'au final, ça nous emmène dans des directions totalement opposées, en gardant le même style artistique et graphique. Excusez-moi, mais tous les deux, il y a un petit peu des similitudes, non, dans votre façon d'aborder le street art, toujours l'histoire, voilà, que vous remettez un peu au goût du jour en proposant ça sur les murs des villes. Il t'a inspiré, peut-être? Alors, en fait, j'ai connu le travail d'Andrea après avoir lancé ma démarche, et c'est vrai que j'y ai reconnu un peu ce côté récupérer l'ancien et lui donner un nouveau sens. Après, on a quand même deux... On est assez distincts en avant sur la technique, parce qu'il y a beaucoup de clair-obscur chez Andrea, alors que moi je suis vraiment beaucoup plus concentré sur la lumière et sur le travail de la sculpture et de la pierre, alors qu'on est plus dans la reproduction de tableaux. Mais c'est vrai que l'inspiration, en tout cas en termes de courant artistique, elle est à peu près similaire. Donc, vous allez dans les musées et ça vous inspire pour après peindre sur des murs. Est-ce que vous êtes allé dans un musée d'Antibes qui vous a inspiré? Pas encore, je n'ai pas eu le temps parce que je vais faire un mur énorme. Ah, c'est ça, alors, c'est là pour ça. J'en profite. Quand je termine les murs, après, je fais des visites. Voilà. Est-ce que c'est difficile j'imagine que ça l'est, reproduire avec une telle précision les œuvres sur justement des surfaces à l'extérieur? Mais alors, avec la bombe, avec les sprays, la chose plus difficile, c'est faire des surfaces petites. Mmh. C'est un petit peu au contraire. Pour moi, plus c'est grand les murs, ouais, et plus... c'est facile, c'est physique comme travail, mm-hmm, mais parce que tu as une margination des erreurs plus grande. Mm. Exactement. Ouais. Avec la banque, quand il y a une grande surface. Quand c'est petit, l'erreur, il ne peut pas. On la voit tout de suite, il faut être exactement, beaucoup plus précis. Ouais. Exactement. Mm. Alors, des grandes surfaces, ils sont très physiques, c'est vrai, mais pour moi, c'est plus facile. Et j'utilise les mises au carreau, les quadrillages pour les proportions, et c'est la chose plus importante. Ça, c'est la technique. César, pour les téléspectateurs qui aimeraient aller à Antibes pour découvrir certaines œuvres, est-ce que tu as une petite sélection? Alors, je vous ai... des petits coups de cœur de César. Je vous ai préparé une petite sélection avec le soutien de mon ami Seb, qui m'a aidé à les localiser. La première, c'est Fabio Petani, qui se situe sur route de Nice, à l'entrée d'Antibes, avec un style assez graphique, mais on retrouve des éléments quand même réalisés avec du, enfin justement avec un style un peu réaliste. Ensuite, on a une œuvre de Easy sur ce côté-là, un peu, c'est voilà, avec un style un petit peu trompe-l'œil, assez intéressant. Peut-être un mot sur ce... Parce que là, je trouve que ça illustre assez bien le choix, en tout cas la sélection de l'artiste par rapport au lieu,
Peut-être, Seb, un mot là-dessus. Mais là, on a relevé un challenge énorme de peindre une centrale électrique avec une artiste moldave qui travaille sur la calligraphie et la perspective. Et le travail est très réussi, on est très contents. Voilà, parce que c'est ça aussi le street art, c'est relever des défis. Il y en avait d'autres, des coups de cœur de César, mais on n'a pas le temps de les donner. Oh, donc, c'est terrible. C'est la dure loi de la vie. La dure réalité. Et Baptiste me dit en un mot. Allez, vas-y. Allez, je donne les noms. On a Calouf qui est à côté du théâtre Antea. Juste ici, on a les Lobos qui font un travail incroyable, on va le dire. Voilà. Ensuite, on a les Monkey Birds qui ont fait quand même plus de 600 mètres carrés en plein cœur d'Antibes. Et Pantonio avec un style toujours très doux. Voilà, et ben ça donne envie en tout cas d'aller voir. Merci. Je crois qu'il y a une petite balade à faire à Antibes, ouais. Oui, il y a un petit truc à faire du côté d'Antibes. Merci beaucoup, ça dure jusqu'au 5 novembre prochain. Il y a toutes les heures à découvrir en effet sur les murs de la ville. Et puis il y a également des petits ateliers pour les enfants pour s'initier au street art. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Matin, César, rendez-vous dans un mois. Avec plaisir. Merci.